I'm now very agitated. I just step out of train station. In the train, just now when we were going in, a black man, quite big size, just suddenly knocked me from behind. Like fell on you? Like fell on me like that. Then I instinctively grabbed for my wallet and was gone. Okay, it was gone. It was, and my bag fell on the ground. Then I immediately looked at him. He has a piece of cloth in his hand. Then I quickly grabbed the cloth, opened up, my wallet was inside. I grabbed it back. And the guy was like, you know, was shouting at him, you know, you took my wallet, you know, you took my wallet, you thief. You know that? The whole lift, the whole train was filled with people. Not one person in Paris helped. And no French that helped. None, not a single one. They just look at it and the guy just walked away. Nobody cared. Nobody helped. This is Paris, right? This is Paris. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, hein? C'était blindé de monde dans le wagon. Pas une seule personne n'a bougé. Quand je vous dis tous les jours que vous êtes des castrés, vous êtes des castrés. Des castrés. Épargnez-moi les commentaires. Moi, je fais ça parce que non, tu fais rien du tout. Un castré. Le mec, il avait fait ça ici à Budapest, dans le métro ou dans le tram. Il se fait défoncer. Défoncer. Et quand les flics s'amènent, il se refait encore une fois défoncer. Vous voyez les rageux qui viennent chaque semaine sur ma chaîne avec des faux profils raconter de la merde? Et vous autres qui dites rien à côté, ben vous êtes devenus ça les Français. Vous êtes ça, des sans-couilles. Il y avait les sans-dents, maintenant vous êtes les sans-couilles. C'est comme ça.